Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de... Attends 2 secondes. Hop, comme ça. Les liens du sang. Et toi, c'est quoi ton groupe sanguin? Moi, c'est... Ben, en fait, j'en sais rien. Nous voilà plongés dans le quotidien d'une famille on ne peut plus classique. Le père, salaryman, souvent absent, la mère au foyer, l'ado en proie à ses premiers émois amoureux, le tout dans une petite maison de province. C'est bientôt les vacances et la tante, accompagnée du cousin, viennent souvent à la maison. Bon, tu te doutes qu'avec ça, on va pas bien loin niveau scénar. Ouais, mais bon, en fait, Seiko, la mère, elle couvre un peu trop son fils Seiichi. Et ça, tout le monde le voit. Après tout, c'est son fils unique, hein, son petit chouchou. Mais quand même, sous ces airs de maman gentille, il y a bien un je ne sais quoi qui cloche. Et ça, son fils aussi l'a observé. Mais il sait pas trop non plus ce qu'il en est, et il devient furax s'il entend du mal au sujet de sa maman, qu'il traite encore comme s'il était un bébé. Tais-toi. Qu'est-ce qui se trame dans la tête de Seiko? Et pourquoi cette obsession avec ce lointain souvenir d'un chat mort écrasé? Ça, pour le savoir, va falloir que tu lises toi-même les liens du sang. Direct, on est frappé par la couverture du manga style aquarelle, qui nous donne à voir une photo de famille tout droit sortie d'un album de souvenirs, tout à fait en raccord avec l'ambiance. Le trait est détaillé et marque bien le contraste noir et blanc. L'auteur utilise pas mal les ombrages, ou des sortes d'aplats réalisés avec des traits ou des hachures, ce qui donne une touche plutôt brute et comme dessinée sur le vif. Les décors sont présents, sans être trop fournis, juste ce qu'il faut pour bien caser l'action. Le design des persos est bien abouti, laissant transpirer un peu de leur caractère, histoire qu'on identifie bien à qui on a affaire. Les regards sont très travaillés, comme par exemple durant les scènes d'angoisse. Enfin, en même temps, t'as l'impression d'être tout le temps sur le qui-vive, même pour une scène anodine. Le Nemo est plutôt rectiligne, utilise des doubles pages pour les moments clés, pas forcément des scènes d'action d'ailleurs. Les cadrages sont bien pensés pour maintenir une sorte de pression tout le long avec des plans serrés sur certaines parties ou des contre-plongées par exemple. C'est Kiun qui édite ce titre de belle qualité avec un papier épais, que ce soit pour la couverture ou les pages intérieures. On a droit aussi à plusieurs pages couleurs sur papier glacé, les onojabs sont conservées et traduites, bref, du bon boulot. Alors voici un nouveau titre d'Oshimi Shuzo. Tu peux d'ailleurs retrouver déjà des mangado sur ses précédentes séries comme Happiness ou Les Fleurs du Mal. T'as vu le placement de produit? C'est un auteur qui commence véritablement à devenir incontournable sur la scène du manga moderne, à l'instar d'un certain Asano Inio, avec qui il partage d'ailleurs quelques points communs sur ses œuvres. D'ordinaire, le bonhomme a tendance à composer ses œuvres avec une dose de sexualité ou de relations un peu malsaines. Là, dans les liens du sang, même si on sort un peu du schéma habituel du lycéen ou lycéenne en personnage central, on retrouve toujours cette dernière thématique, au travers de ce couple mère-enfant. Oshimi Shuzo dépeint des personnages tourmentés. Ici, c'est la mère. On sent, on sait qu'elle va merder. La retranscription en dessin qu'il nous livre là est bien réussie car, même au travers des gestes anodins, on sent la... malsénitude, le truc qui cloche chez elle, alors qu'en apparence, elle est tout à fait normale. Et ça, le lecteur le voit directement via les yeux du garçon qui, lui, découvre ainsi sa mère sous un autre angle. Et il n'est pas sorti de l'auberge, hein, le pauvre, parce que à la fin, la mère... Oh, non, oublie, j'ai rien dit. Ce premier volume pose bien la base de l'histoire. On entre progressivement dans la vie de cette famille et on tente de deviner les pensées de cette mère possessive, un poil flippante. On se demande également comment va évoluer l'adolescent qui, pour le moment, reste plutôt spectateur dans l'histoire. La couverture et les premières pages rendent un joli effet aquarelle, mais on sent vite le décalage qu'il va y avoir quand, au bout de quelques cases, on découvre le jeune garçon caressant un chat mort. Certains seront peut-être d'ailleurs pas attirés par la couverture montrant une mère et un bébé, mais ce serait une erreur de s'arrêter à ça. Alors, fan d'Oshimi Shuzo, ou d'histoire avec une intrigue qui te tient en haleine, tu peux y aller sans crainte. Sinon, en rapport avec les liens du sang, je te dirais bien d'aller voir Les Fleurs du Mal du même auteur,
où un lycéen se retrouve prisonnier d'un chantage opéré par une fille de sa classe à l'esprit plutôt... glauque. Monster de maître Urasawa Naoki pour le côté thriller et le monstre en question, Johan, qui possède, malgré ses airs angéliques, un côté très malsain également. Kakushi Goto est un seinen, mais pas du tout dans la même ambiance, qui traite cette fois d'un papa poule avec sa fille qui lui cache un terrible secret. Il est mangaka. Voilà, c'était Lud et son fils. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Les Liens du Sang. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Toi et moi, on va bien s'amuser. Viens, suis-moi.